En hij ziet het draaien, gemaskerde mannen uit een ding er van achter komen. En hij zegt tegen zijn klein, laat u vallen, zei hij, want ze zijn daar. En daarmee willen vluchten. Hè. En hebben ze direct op hem geschoten. Hè. Zeven of acht kogels door zijn notto. En hier is Schamschot, juist in zijn schedel en hier achter zijn oor. Ik heb één vrouw zien komen af, komen gelopen, volledig in haar gezicht bebloed, in haar benen en al. En die is dan overgelopen in paniek van haar kind, iets van een kind. Wat dat juist was, weet ik niet, want ja, de politie was hier dan mochten we niet meer binnen of niks. Mijn naam is Martial Mekeu. Ik was with the Belgian gendarmerie. Ik left Belgium in augustus 1984 after precise death threat against my kids. In beginning of December 1983, I did go personally to the BSR, who were doing the investigation about the killing. I was surprised that no arrest had been made, and I knew that I did report myself what was going on, and we were expecting killing like that, random killing, going to supermarket and killing people, and even kids. I believe they killed about 30 people. So I told a gentleman I met, Leur Lys, member of the gendarmerie or the army there, involved in that. His answer was, shut up, you know, we know. Take care of your own business, get out of here. But they were saying the democracy was going away, the leftists were in power, the socialists and all these things, they wanted more power. Ces crimes avaient troublé profondément l'opinion parce qu'ils ne paraissaient pas être justifiés par la seule considération du gain ou de ce que l'on pouvait prendre dans des grands magasins, que le meurtre gratuit et inutile d'une série de personnes pouvait procéder d'une intention politique qui rappelait celle qui avait causé des ravages en Italie, dans la gare de Bologne, par exemple, l'attentat qui avait fait 80 morts parmi des victimes totalement innocentes. Nous pensions qu'il pouvait donc avoir un soubassement politique à l'activité des tueurs du Brabant wallon. Jean-Claude Garot edited and owned the Belgian magazine Pool. In its pages he ran a series of exposés of Belgian neo-fascist groups. L'organisation du Front de la Jeunesse existait depuis plusieurs années et c'était, disons, une nouvelle structure, mais avec des personnalités qui avaient déjà été dans des structures politiques avant cela, dans d'autres structures. Le Front de la Jeunesse est un mouvement politique qui est né en 1974, qui a existé jusqu'dans les années 1980 en tant que tel, et qui était un mouvement politique, un mouvement militant essentiellement, bon, qualifié d'extrême droite, hein, bon. Mais qui est essentiellement un mouvement de jeunes et un mouvement militant. Il y a eu Jeune Europe, il y a eu Front de la Jeunesse, et puis ça a encore changé. Donc, en fait, le nom des structures politiques changeait, mais on retrouvait souvent des mêmes personnalités qui passaient de structure en structure. Et, par exemple, Dossogne a fait partie de plusieurs structures. Alors, on a mené toute une série d'actions, le Front de la Jeunesse a mené toute une série d'actions qui dérangeaient beaucoup à l'époque, parce que nous remettions en question une série de choses... je vais dire qu'il était relativement bien établi, ou si vous voulez, relativement bien établi. Et le Front de la Jeunesse a beaucoup dérangé, et le Front de la Jeunesse a tellement dérangé qu'on a en fait voulu le casser. On soupçonnait qu'il y avait un centre nerveux, décisionnel, qui était entouré de cercles successifs, qui déléguaient des tâches à chacune d'entre elles, avec naturellement un problème, c'est que plus les tâches étaient déléguées, quand elles arrivaient au cercle périphérique éloigné du centre nerveux, il y avait des erreurs. Dans les Ardennes, c'est une des erreurs de fonctionnement. Pour recréer, disons, l'ensemble de leur noyau d'intervention actif, donc paramilitaire, ils avaient besoin de former et d'encadrer des éléments d'extrême droite. Anciens paracommandos, anciens militaires, membres de la gendarmerie, militants d'extrême droite. On a condamné les militants du Front de la Jeunesse pour avoir tenu des camps soi-disant paramilitaires. En fait, à l'heure actuelle, si vous voyez ce que font les scouts, ou ce que font certaines sociétés en matière d'incentives, par exemple, ils font beaucoup plus que ce que le Front de la Jeunesse n'a jamais fait.
une de ces organisations flamandes, VMO, Vlaams Militanten Orde, avait une section active de combat et qu'ils désiraient entraîner. Alors ils ont entraîné ce groupe dans un camp, dans les Ardennes, et donc une activité de ce type, où on emploie des tirs de fusils mitrailleurs, des lancements de grenades, ça fait du bruit, ça éveille des attentions. Donc nous avons été informés par quelqu'un que ce camp allait avoir lieu. Nous le savions et nous avons mis les moyens photographiques nécessaires en œuvre pour photographier une partie de l'action. Et puis, nous avons révélé cette action dans un contexte très étudié. Nous avons dit, nous estimons qu'il y a eu un camp d'entraînement militaire du VMO avec tir de fusil mitrailleur, avec lancement de cocktails Molotov, avec impact de balles dans les Ardennes. Le FONGES n'avait pas de camp militaire en tant que tel. Le FONGES organisait des week-ends qui se déroulaient dans des campings, dans des propriétés privées, mais sur la, bon, on circulait dans la voie, sur la voie publique, etc. Bon, le FONGES était à Marche-les-Dames, comme beaucoup d'autres groupes de jeunes, avec les autorisations des autorités militaires. Donc tout ça se faisait au vu et au su de tout le monde. Des amis de la radio, de la télévision, en connexion avec moi, ont immédiatement été interviewés le général Borir, qui était à l'époque le numéro 1 de la pyramide de la gendarmerie. Le général Borir, c'était le général en chef de toute la gendarmerie. Le général Borir, en interview télévision et radio, a dit « Cela n'a jamais existé. Le jour même, le juge d'instruction intervenait, mais intervenait où ça ? Ici. En perquisitionnant ici, et en faisant une déclaration à la presse en disant « Jean-Claude Garot a créé un faux et usage de faux, il a fabriqué avec des uniformes, des photos et des armes, toute une mascarade. » Le groupe G était en fait une des sections du Front de la Jeunesse qui regroupait les jeunes gendarmes, qui pour des raisons déontologiques liées à l'exercice de leur profession ne voulaient pas être mélangés avec les autres et par conséquent risquaient d'être mêlés à des actions, de manifestations, des choses comme ça qu'ils ne peuvent pas faire déontologiquement en parlant. Ce qui fait que ces gendarmes, qui étaient peut-être une grande dizaine, petite dizaine grand maximum, ces gendarmes avaient demandé d'être regroupés dans une section à part. Mr. Francis Dossoin was the contact and I've been recruited by another member of the gendarmerie from headquarters to become a member of that group. Only police officer was inside that group. It was called the Group G, G for Gendarmerie. Kalecki a fait partie du Groupe G. Il a été même parmi les premiers qui ont fait partie du Groupe G. Et il a tellement bien fait partie du Groupe G que c'est en fait, bon sang l'a appris par après, mais que c'est en fait Lequeu qui informe l'état-major de la gendarmerie à l'époque de l'existence du Groupe G. And I did witness there Mr. Mievis, he's the one who did recruit me, giving to Mr. Dossoin a confidential file from headquarters. The people they did recruit were people like myself, people from headquarters, people who have access to certain knowledge inside the gendarmerie. So I believe officers in headquarters were involved also. Paul Latinus a été découvert alors qu'il était inconnu lors d'une de mes interviews par hasard. Rapidement, j'ai mené une enquête. Et cette enquête m'a montré comment Paul Latinus avait été implanté dans le Front de la Jeunesse avec des missions bien particulières. D'apprendre au Front de la Jeunesse comment s'organiser dans des actions violentes. Attaque de café d'immigrés arabes, camp d'entraînement militaire, manière de se faire encadrer pour la surveillance.